cette vidéo, on va voir comment supprimer les données ou les coordonnées avant de acheter un nouveau téléphone. N'oubliez pas de faire like et terminer cette vidéo. Donc voilà mes amis, ce qu'on voit, on entre en paramètres, ce qu'on voit, cloud et compte, ce qu'on voit, on clique sur sauvegarde et restaurer. Donc voilà, et on formate le téléphone. Donc après le format, on clique sur la caméra, ce qu'on voit, et on va recorder une vidéo noire. Il n'y a pas le son et il n'y a pas tout ça, ce qu'on voit, jusqu'à la plein de téléphone. Et on va supprimer ce qu'on voit, on va supprimer le vidéo, ce qu'on voit, et après on va formater le téléphone et tous les données sont pas sauvegarder. Et merci. Donc voilà mes amis, on est dans le téléphone, ce qu'on voit, on va ouvrir Google Play et on va rechercher Disc Digger, ce qu'on voit, Disc Digger, ce qu'on voit, on va installer maintenant. Ce qu'on voit, il y a 1 méga. Maintenant, il a téléchargé. Ce qu'on voit. Il sauvegarde tout. On voit les photos. Donc voilà, on va scanner. On va cliquer sur autoriser. Donc voilà, maintenant, on va voir les photos. Ce qu'on voit. Toutes les photos ici. On a supprimé toutes les photos, ce qu'on voit maintenant. Donc voilà, il y a beaucoup de photos. Des anciennes photos, on a supprimé. Et il est ici. Ce logiciel est très intelligent et sauvegarde toutes les données. Ce qu'on voit. Ce qu'on voit, les anciennes vidéo et tout ça, ce qu'on avait fait dans la chaîne première. Il y a ici, donc voilà, on va ouvrir Google Play et on va rechercher Share Dit, ce qu'on voit, Share Dit. Ce qu'on voit, on va ouvrir, on va cliquer sur installer. Et on attend, il y a 2 mégas. Maintenant, on va télécharger ce qu'on voit. Donc voilà, l'application téléchargée. On clique sur ouvrir, autoriser. Ce qu'on voit, on clique sur paramètres. On clique sur algorithme Germanie. Ce qu'on voit. Avant de ça, on va prendre des photos. Ce qu'on voit. Maintenant, on va prendre des photos. On va prendre deuxième photo. On va maintenant supprimer ce qu'on voit, supprimer, déplacer vers le côté. Et on va ouvrir l'application. Ce qu'on voit, il y a tout storage. On va ouvrir la carte SD. Il y a toutes les images ici. Ce qu'on voit. Avant de ça, on va vider le corbeil. On va cliquer sur vider, vider le corbeil. Ce qu'on voit, et on va ouvrir l'application. Ce qu'on voit, clique sur DSM. Il y a toutes les photos ici de caméra. On clique sur caméra. Ce qu'on voit, toutes les photos. On va maintenant choisir une photo. On va voir la photo, ce qu'on va supprimer. On va choisir cette photo. On clique ici OK.
Maintenant, la photo était supprimée, successif. On va mettre derrière, on va effacer maintenant le storage complet, contexte. Maintenant, le storage est supprimé et aussi le storage de carte SD était supprimé. Ce qu'on voit, l'application est vraiment cool et toutes les applications et tout ça sont supprimées successives. Et merci pour tout ça. Je vais faire beaucoup de vidéos. Donc voilà mes amis, on a terminé cette vidéo. N'oubliez pas de faire abonner à les deux chaînes qu'il y a dans la description. Et les mes amis, il y a un contenu très cool. N'oubliez pas de faire abonner à cette chaîne. Et merci pour tout ça. Et merci pour tous les likes et peace.